Et aujourd'hui, petite mauvaise nouvelle, malheureusement. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez les intros que je fais? 3D, 2D, animation, etc., etc. Plein de gens m'en demandent. C'est cool. J'en fais. Mais malheureusement, les mecs, ils se plaignent. Ils disent, ouais, c'est cool, c'est cool. Mais on fait comment pour télécharger? Leur explique comment télécharger. Ils font, mais ça bug et tout, nanana, voilà. Et il y en a, ils me disent, en gros, que tu mets trop de temps, etc. Mais même si c'est un logiciel gratuit, je sais, j'utilise Panzoid, mais je l'ai fait moi-même. À part un ou deux ou trois, parce que c'est chiant. Parce que je les trouve pas, ceux qui veulent. Bref. Et il y en a qui les prennent pas. Alors, sur les 98 vidéos d'intro, il y en a que 45. Ce n'est pas énorme. C'est peut-être presque la moyenne, mais c'est pas beaucoup. Je me fais chier à vous faire des intros. Je vous fais une intro. Vous la prenez pour une ou deux vidéos et après c'est fini, vous changez d'intro. Pourquoi vous me demandez un intro alors? Ça sert à rien. En tout cas, je suis désolé pour ceux qui voulaient une intro, mais vous expliquez ça aux rageux qui viennent sur ma chaîne et disent « Oh, c'est Panzoid, Panzoid !» Mais vous voulez quoi? Que j'aille acheter une putain de logiciel d'intro et je vous fais payer? Oui, c'est logique. J'achète un logiciel, c'est comme ça. Des mecs, ils ont une chaîne YouTube qui fait payer les intros parce qu'ils ont un logiciel payant, c'est logique. Et bien sûr, la qualité est mieux, mais moi, c'est des intros gratuites. Bien gratuit, le logiciel est gratuit, c'est logique que je fasse des intros gratuites. Alors arrêtez de harceler le message sur les réseaux sociaux, dire mais c'est Panzoid, Panzoid, mais donnez-moi un logiciel alors, démarquez un logiciel dans la description, dans les commentaires. Après, vous disiez, après il y en a d'autres qui vont dire mais ça c'est un autre chose, c'est nul. Après l'autre, non, c'est nul, c'est aussi ce logiciel. Mais moi j'en ai marre de vos conneries pour ceux qui pètent des câbles, qui ragent. Moi, je sais plus donner de la tête. Il faut choisir. Soit Panzoid, soit, je ne sais pas moi, Template. Je sais pas moi, d'autres sites. Moi, ça m'a saoulé. Moi, je vous dis ciao, abonnez-vous si vous n'y êtes pas. Je continuerai peut-être YouTube. Je continuerai YouTube. Mais en basse qualité. Mais par contre, pour les intros, j'arrête. En tout cas, pour l'instant, j'arrête. Et là, vous allez me dire, oui, mais tu vas arrêter 2 semaines et c'est bon, c'est reparti. Non, je vais pas arrêter 2 semaines. Hein. Allez, je vais arrêter quoi, 5-6 mois, le temps que tout le monde se calme avec les intros. Parce que moi, ça me saoule. Au début, j'avais fait des intros il y a un an. J'avais fait plein, je faisais des intros, ça a pété un câble. Il m'a insulté, Panzoid, les réseaux sociaux, Panzoid. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté. J'essaie d'être gentil, je suis revenu. J'ai continué les intros. Il y en a qui étaient contents, mais maintenant c'est revenu les rageux. On est que comment YouTube fonctionne, comment les gens peuvent être heureux avec quelque chose. Même pour les autres, je m'amuse à faire une autre de qualité. Ils sont pas contents, ils utilisent pas l'autre, ils disent que c'est de la merde. Mais écoutez, vous allez quand même donner des idées aussi. Il y en a qui disent fais-moi une autre, ok? Mais je fais quoi comme autre? Ah, ça s'explique pas. C'est logique. Ils sont cons quoi. Il y en a qui sont, ils sont pas bêtes. Ils nous disent exemple, je veux une intro Fortnite, je la fais, c'est bon, mais je crois qu'ils les prennent pas. Alors laisse tomber. Ils demandent des intros, ils servent juste à décorer ma chaîne en gros. Ouais, c'est un peu débile. Peut-être je fais des vues. Vous allez dire, mais t'es pas moi, tu fais des vues. Ouais, mais c'est chiant. Je m'amuse à me faire chier à faire des montages, à aller chercher des images. Aller faire les faire animer, parce qu'il faut prendre du temps pour faire animer quelque chose, parce que c'est de numéro par numéro, il faut faire de par minute, par seconde, pardon, exemple une seconde, faut qu'il fasse ce mouvement, etc., etc. C'est peut-être un logiciel gratuit, mais c'est long, très long, surtout la version mascotte. Mais la version mascotte dans ma tête, elle est doucement, parce que ce que j'ai essayé une fois avec une mascotte, c'est compliqué pour la faire bouger dans tous les sens. C'est compliqué. Parce que le logiciel, il a du mal en plus. Alors, des fois, il est fermé.
Il coupe en gros le créateur pour jouer. Et bah, alors malheureusement, je continuerai ma chaîne. Alors je serai de retour, surtout sur ma chaîne gaming bientôt, parce que j'aurai peut-être une PS4 Pro. Ouais. Ouais, j'espère que ce soit la Xbox, soit la PS4. Je sais pas, c'est mon anniversaire. Ils vont choisir, j'en sais rien. J'espère que ce sera la PS4. Ah, si c'est pas la PS4, j'essaierai de faire quelque chose, j'en sais rien. Trouver une caméra, j'en sais rien, mais ça va être compliqué, c'est de la faire tenir quelque part. Ou alors j'essaie de trouver. Ou alors d'avoir son logiciel pour faire fonctionner ça, j'en sais rien. Un câble pour mettre sur le PC, j'en sais rien. Mais je pense que c'est un peu plus la PS4 parce que c'est le seul qui est plus connu, je pense. Alors, mes oncles et tout ça, ils préfèrent que je prenne la PS4. Il y en a une seule personne qui veut que je prenne la Xbox, un pote, j'en sais rien. Bref, hein, moi je vous dis ciao, abonnez-vous, peace.